Les personnes affectées par les travaux de réalisation du carrefour giratoire à l'entrée principale de la zone économique spéciale de Glodjigbé seront indemnisées. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 22 septembre 2022. Le point à retrouver dans ce journal. Mettre fin au racisme, bâtir la paix, c'est le thème de l'édition 2022 de la Journée internationale de la paix. Et cette journée est célébrée chaque 21 septembre. Vous suivrez une production de la rédaction de Speedline Télévision dans ce journal. En interactualité, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a accusé ce mardi le Rwanda d'agression directe. L'affirmation a été faite lors de son discours aux Nations Unies. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Le Conseil des ministres de ce mercredi 21 septembre 2022 prévoit l'indemnisation des personnes affectées par les travaux de réalisation du carrefour giratoire à l'entrée principale de la zone économique spéciale de Glodjigbé. Un deuxième accès à partir du carrefour de l'arrondissement de Tambo-Dévié sera aménagé. Le point dans ce compte rendu du Conseil des ministres. Des mesures normatives. En point 1. Approbation des statuts de la Société nationale du bois, SONAB SA. La mise en place de cette société procède d'une transformation de l'Office national du bois au regard de la nature et du volume des activités qu'il mène, mais aussi des ambitions du gouvernement pour la filière. Elle sera notamment chargée de la promotion et de la transformation de tout produit forestier, du bois et de l'industrie forestière, de la commercialisation des produits exploités ou transformés, de l'importation ou l'exportation du bois et des produits dérivés, de la réalisation de toutes opérations de développement de la production forestière, reboisement, enrichissement, aménagement, etc., et de la promotion de l'écotourisme dans les forêts relevant de sa gestion. Au chapitre des communications, en point 1, paiement d'indemnités dues aux personnes affectées par le projet d'aménagement d'un périmètre de 80 hectares à Togbin. L'expropriation en vue de l'aménagement du dit périmètre est motivée par la mise en œuvre de divers projets d'envergure, dont la construction d'un boulodrome aux normes internationales, destiné à abriter la Coupe du monde de sport boule, d'un hôpital de référence et d'autres infrastructures d'intérêt général. Conformément au texte en vigueur, un expert a été commis pour réaliser les évaluations foncières et immobilières. Sur la base de son rapport, le Conseil a autorisé le paiement des personnes affectées par la rectification des coordonnées géographiques et la redéfinition de la zone de développement touristique exclusive de la route des pêches. En point 2, indemnisation des personnes affectées par les travaux de réalisation d'un carrefour giratoire à l'entrée principale de la zone économique spéciale de Glodjigbé et d'aménagement d'un deuxième accès à partir du carrefour de l'arrondissement de Tambo-Dévié. Au terme des travaux de la commission interministérielle chargée d'évaluer les indemnités à verser aux personnes impactées sur leur terrain, bâtiments et accessoires de toute nature situés dans l'emprise des travaux et frappés de servitude de reculement, 35 sinistrés ont été recensés sur l'ensemble du projet. Les diligences techniques et administratives qui conviennent ont été accomplies. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour l'indemnisation des intéressés. En point 3, exécution de la phase 3 du projet de renforcement des systèmes d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abomey-Calavi et ses environs. Les travaux de cette phase intègrent le raccordement de la zone de la cité administrative d'Ahosugbeta en vue de sa mise en exploitation prochaine. Ils prennent également en compte des agglomérations urbaines des localités de Huedo et de Toba. Leur réalisation intervient dans le cadre du projet de l'accès universel à l'eau potable. Le Conseil a donc approuvé la contractualisation avec l'entreprise retenue et instruit le ministre de l'Eau et des Mines de veiller à la bonne exécution des travaux. La rentrée scolaire 2022-2023, on en parle toujours, elle vient de démarrer, mais certaines écoles sont inondées. Quelles sont donc les mesures prises par le gouvernement pour remédier à cette situation? La réponse avec Wilfried Léandre Rumbedi,
le porte-parole du gouvernement. Je voudrais m'attarder sur l'aspect spécifique de votre préoccupation pour dire que les pluies, cela relève à la limite de cas de force majeure. Mais cette situation, elle a été évoquée avant même le début de l'année scolaire. Parce qu'il y a 2 semaines de mémoire, la préoccupation du chef de l'État qui était de savoir si tout était prêt pour que la rentrée des classes s'effectue dans les bonnes conditions, a amené les ministres sectoriels, notamment celui en charge des enseignements maternels et primaires, à faire un point qui permettait déjà de voir que dans certaines localités, en raison de la crue de certains fleuves qui traversent notre pays, il y avait des écoles qui étaient sujettes à inondations. Et déjà à l'époque, soit 2 semaines avant la rentrée, les instructions du chef de l'État étaient que les services compétents devraient se déployer autant que possible avec les administrations communales pour évacuer les eaux là où cela était possible. Ensuite, il y a lieu de constater, et ce à la décharge des 10 services techniques et des administrations communales, que en pareille circonstance, comme nous le savons, le niveau des eaux est tel que, malgré leur bonne volonté, l'on peut comprendre que ces services et les administrations communales n'aient pas réussi à évacuer les eaux de toutes les écoles concernées, d'autant plus par ailleurs que les pluies continuent abondamment dans le nord et que les descentes d'eau par le lit des fleuves continuent de produire les crues par endroits, et cela va se faire donc progressivement. Dans tous les cas, il est indiqué comme instruction que cela soit fait au plus tôt pour permettre aux enfants de bénéficier des cours au même titre que leurs camarades. Et là où éventuellement des solutions alternatives peuvent être apportées en attendant une résolution durable de cette situation, les ministères sectoriels ne devront pas faire l'économie de mesures qui vont dans ce sens. Et tout comme d'autres acteurs du système éducatif béninois, ceux du département du Mono ont aussi repris le chemin des classes ce lundi 19 septembre 2022, de la maternelle en passant par le primaire et le secondaire. Enseignants et enseignées de cette région du sud-ouest du Bénin ont repris les classes dans une ambiance conviviale. Et comme il est de coutume, les apprenants n'ont pas renoué avec les activités pédagogiques sans l'appui de leurs géniteurs. Cette année, en dépit de la morosité économique, ceux-ci ont tenu à accomplir leurs devoirs. Reportage. CEG 1 Toutou, dans la commune de Khoyogbe, dans cette classe de 3e, les apprenants suivent le cours d'histoire et géographie, une matière qui a ouvert chez eux le bal des activités pédagogiques en ce début de rentrée. Vous suivez ? C'est ce matin que nous venons d'avoir notre premier professeur qui fait histoire et géographie. Au niveau de l'administration, les inscriptions des nouveaux élèves évoluent normalement. Par contre, quant aux anciens, l'on joue les prolongations, la plupart n'étant pas encore revenus du Nigeria, où ils sont partis depuis des mois pour des activités de vacances. Ce phénomène qui se répète à chaque reprise des classes est un mal à la carapace dure, devenu une tradition dans le milieu. Ce que déplore le premier responsable de ce lieu d'acquisition de savoir. Vraiment, notre milieu ici, c'est un milieu un peu compliqué. Parce que la majorité des enfants vont au Nigeria pendant les vacances. Donc le retour, c'est un peu difficile. Pour eux, ils se disent, une semaine encore après la rentrée, ce n'est pas encore grave. Alors que les choses ne sont plus comme avant. Les cours démarrent réellement le premier jour. Dans les cours privés, l'école s'est aussi éveillée après la trêve. Dans cette classe de seconde AB, le professeur d'anglais est à l'œuvre. Dans l'ensemble, les cours de la première journée ont été bien faciles. Puisqu'on nous a donné, je suis prêt à tenir le rythme. À la maternelle, les bouts de choux ont également signé leur retour, tout comme leurs aînés du primaire. C'est maintenant qu'ils ont repris. Donc le réflexe de l'écolier, ils l'ont perdu un peu, mais les maîtres sont au travail
ils sont en train de faire les efforts et de manière globale, ça peut aller. Nous avons commencé l'évaluation diagnostique, c'est ce que le gouvernement a dit. C'est pour voir le niveau des enfants dans chaque classe, mais c'est une pas dedans. J'ai démarré cette rentrée des classes, je n'ai pas peur du CM2. Ça se déroule bien, on attend aussi les derniers inscrits dans toutes les autres classes. Et là, on aura un effectif qui est digne de son nom. La rentrée scolaire 2022-2023 n'a pas été effective sans la volonté et l'engagement des géniteurs. On a constaté sur le marché d'abord la montée des prix au niveau des fournitures scolaires. Mais on n'a pas le choix. Et on a tout fait, on a mis les bouchées doubles pour pouvoir, joindre les deux bouts. On a essayé de les préparer à petit feu et aujourd'hui ils ont démarré. Ils sont allés à l'école, on est allé les chercher. Donc je pense que c'est le départ. L'intérêt de ces enfants prime sur mon propre intérêt. Donc je dois aider chaque enfant pour que demain soit meilleur pour le peuple béninois. Le préfet est venu faire le constat de la rentrée. Il a même donné des conseils, encouragé les gens, et puis passé de classe en classe, même faire le constat des choses qui nous manquent, et puis il a fait pas mal de choses. En raison de la morosité économique, la mansuétude des responsables d'établissement est vivement implorée afin qu'ils accordent du temps aux parents d'élèves dans leurs obligations de s'acquitter des premières tranches des frais de scolarité. Vous savez, le temps est un peu difficile pour tout le monde. Qu'ils patientent un peu par rapport à la contribution et consorts. Parce que quand ça commence comme ça, les parents sont un peu fatigués. Ça pèse beaucoup sur eux. C'est donc reparti pour d'intenses moments d'activité pédagogique. Enseignants et enseignés, chacun est appelé à jouer de son côté sa partition pour l'amélioration des résultats de fin d'année. Et parlons d'autres choses à présent. Cotonou abrite depuis hier, mercredi 21 septembre 2022, le quatrième dialogue politique de haut niveau du Forum des administrations fiscales ouest-africaines. Ces assises de Cotonou ont pour thème accroître donc les recettes fiscales par un leadership efficace et une bonne gouvernance d'entreprise. C'est le directeur de cabinet du ministère des Finances, Oru Herman Takou, qui a lancé les travaux de cette conférence sous-régionale. Romaric Dossa pour Le Pain. Contribuer à l'efficacité de l'administration fiscale et à l'amélioration de la prestation des services publics afin de soutenir le développement des pays d'Afrique de l'Ouest, c'est la vision de ce quatrième dialogue politique de haut niveau du Forum des administrations fiscales ouest-africain. Le thème de cette rencontre est intitulé « Accroître les recettes fiscales par un leadership efficace et une bonne gouvernance d'entreprise ». Oui, c'est le moment plus que jamais pour nous de prouver que la fiscalité reste et demeure un outil puissant, fondamental pour le développement des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi, dans le cadre des présentes assises, je voudrais nous inviter à réfléchir sur les stratégies à mettre en place. La Banque africaine de développement, depuis 2000, a mis en place sa politique de gouvernance. Et cette politique de gouvernance a eu comme thème central la mobilisation des recettes. Les administrations fiscales doivent se mettre à niveau et ont besoin de sortir de leur confort habituel pour avoir une vue large d'ensemble de ces changements afin de pouvoir prendre des décisions sur la gouvernance de leurs administrations respectives. Le panel d'invités ici présents me rassure de la qualité des échanges et me permet d'avance de dire que des résolutions objectives seront proposées. Tous les 15 pays membres du forum sont représentés à cette rencontre de 48 heures. Les participants vont mener des réflexions sur les différentes méthodes à adopter pour promouvoir une bonne gouvernance dans l'administration fiscale.
Journée mondiale de la paix, elle est célébrée ce mercredi 21 septembre. L'édition 2022 est placée sous le thème « Mettre fin au racisme, bâtir la paix ». Le défi sera-t-il relevé dans un contexte où le racisme est assez remarqué ces dernières années? Suivez donc cette production de la rédaction. En 2018, le nombre de dossiers ouverts sur le racisme et la discrimination raciale à l'UNIA a augmenté de pas moins de 11%, 866 dossiers de racisme. Ces chiffres ne donnent pas une image complète de l'ampleur réelle du problème, mais ils indiquent ce qui se passe dans la société et les tensions qui existent. L'augmentation est importante, plus de 55% sur 5 ans, et traduit un problème qui est aujourd'hui dominant et préoccupant. Pour le secrétaire général de l'ONU, nous avons tous un rôle à jouer dans la promotion de la paix. Et la lutte contre le racisme est un moyen essentiel d'y contribuer. Il faut conjuguer les efforts en vue d'un monde exempt de racisme et de discrimination raciale. Un monde où la compassion et l'empathie l'emportent sur la suspicion et la haine. Un monde dont nous pouvons être vraiment fiers. Le racisme est la discrimination, l'hostilité violente envers un groupe humain. Par exemple, les propos discourtois de certains peuples blancs envers la population noire. Le racisme nuit non seulement à la vie de ceux qui le subissent, mais aussi à la société dans son ensemble. Pour l'ONU, nous sommes tous perdants dans une société caractérisée par la discrimination, la division, la méfiance, l'intolérance et la haine. La lutte contre le racisme est le combat de tous. Depuis le 19e siècle, plusieurs incidents emblématiques de décès d'Africains et de personnes d'ascendance africaine en contact avec des agents de la force publique ou des civils sont enregistrés. Les cas George Floyd et Breonna Taylor aux USA ont choqué le monde. Le 21 mars 2012, l'ex-secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a rappelé l'impact pernicieux du racisme qui compromet la paix, la sécurité, la justice et le progrès social, détruit les individus et désagrège les bases mêmes de la société. Le racisme empiéterait sur les valeurs de bien-être qu'incarne cette journée mondiale de la paix. Il faut que cela cesse. C'est ce que pense Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Où qu'il soit, nous devons le condamner, sans réserve, sans hésitation, sans détour. Bonne nouvelle pour les Béninois. Le délai de l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire est prolongé du 1er au 15 octobre prochain. Il a la possibilité de consulter donc de nouveau la liste électorale informatisée provisoire et de signaler les éventuelles erreurs pour des législatives transparentes et pacifiques. Ce mardi 20 septembre 2022, le mandataire de la NIP, Cyril Goubedji, l'a annoncé au cours d'une séance de travail avec les membres des organisations de la société civile. Romaric Dossa, pour le point. Nous plaidons pour que la NIP prolonge encore la période de publication de la liste électorale informatisée provisoire. Parce que nous avons constaté que les populations ne sont pas sorties pour aller consulter ces listes. Des doléances qui ont reçu un écho favorable. Les populations ont une nouvelle chance de consulter et faire corriger leur identité sur la liste électorale, même passé le délai du 8 au 22 septembre 2022. Je voudrais donc vous rassurer que des dispositions sont en cours afin qu'on puisse avoir des actes réglementaires d'application les plus adaptés et les plus soutenables pour la prise en charge des préoccupations soulevées. Et donc, je voudrais vous rassurer, Madame la Présidente, que sur la base de votre plaidoyer, l'Agence nationale d'identification des personnes, en tenant compte des différents transferts que les gens ont eu à faire, des différentes corrections que les gens ont eu déjà à faire pendant une dizaine de jours, affichera une nouvelle édition de la liste dans la période du samedi 1er octobre au samedi 15 octobre pendant 10 jours. Une version à jour de la liste électorale informatisée provisoire. D'autres sujets étaient également au cœur des échanges. Des doléances dans les secteurs de l'éducation, hygiène et santé ont été énumérées. Le gestionnaire mandaté de la NIP a répondu au nom du gouvernement. Et les préoccupations soulevées ont été
collectés effectivement auprès des populations, mais sans être accompagnés d'une collecte au niveau institutionnel pour voir les efforts que les pouvoirs publics sont en train de faire dans ce domaine. Jamais dans notre pays, depuis les indépendances, on a pu se préoccuper de l'accès de la population à l'eau potable, que ce qu'on est en train de faire sous le régime de son Excellence Monsieur Patrice Talon. Sur la question de l'accès à la santé, depuis les indépendances, jamais dans notre pays, on n'a pu se préoccuper de la qualité des soins de santé, de la réforme du système de santé, dans l'objectif d'assurer la protection de la santé des personnes. C'est aussi l'occasion pour Cyril Goubedi de lever l'inquiétude sur l'accès à la liste aux personnes vivant avec un handicap. Pour lui, la promotion des personnes vivant avec un handicap est un fait au vu de la loi et relative en réponse à une obligation universelle des droits de l'homme. Et puis traversons les frontières béninoises à présent. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a accusé ce mardi le Rwanda d'agression directe. L'affirmation a été faite lors de son discours aux Nations Unies. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a accusé le Rwanda d'agression directe. Mardi, lors de son discours aux Nations Unies, il a en effet de nouveau reproché à l'armée rwandaise d'avoir soutenu le M23, notamment dans l'abattage d'un hélicoptère de maintien de la paix de l'ONU en mars, qui a fait 8 morts, 6 Pakistanais, un Russe et un Serbe. Les Nations Unies ont évité de blâmer les rebelles tout en exprimant leur inquiétude face à la résurgence du groupe. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda. L'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. En août dernier, à Kinshasa, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a également déclaré que des rapports crédibles faisaient état d'une implication rwandaise. Le Rwanda a nié les accusations et son président Paul Kagame doit s'exprimer devant les Nations Unies mercredi. En Afrique du Sud, l'électricité est absente dans les ménages depuis peu. Les pannes affectent également d'autres services publics comme l'approvisionnement en eau dans certaines régions, les pompes électriques s'arrêtant de fonctionner. À Soweto, comme partout en Afrique du Sud, les coupures d'électricité ont forcé les habitants à revoir leurs priorités. Dans la famille Mfoussi, par exemple, la vie est devenue une véritable course contre la montre. Avant la tombée de la nuit, il faut arriver à enchaîner les tâches primordiales, comme aider les enfants à faire leurs devoirs. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur l'équilibre de ce foyer. Avant, nous rentrions de l'école, nous avons le temps de travailler. Ensuite, rattraper le temps perdu en famille, préparer le dîner, faire les devoirs. Mais maintenant, il faut tout précipiter. Ce qui est prioritaire, ce sont les devoirs et s'assurer que tout le monde mange à l'heure avant la nuit. Donc, nous essayons au moins de nous assurer qu'avant le délestage, tout est fait. Pour s'en sortir, le couple a acheté un groupe électrogène qui consomme énormément de carburant en raison des longues heures de coupure. Selon le calendrier d'ESCOM, les privations vont jusqu'à 8 heures par jour. Ne pas avoir d'électricité entre 4 voire 6 heures par jour, c'est extrêmement coûteux. Parce que le générateur aussi, ce n'est pas très efficace pour nous. En termes de finances, c'est extrêmement coûteux. Parce que vous achetez de l'essence pour le générateur, vous en achetez pour la voiture, parce que vous devez transporter les enfants, donc nous, on ne peut pas se le permettre. Ces coupures d'électricité ont joué un rôle crucial dans la contraction de l'économie de 0,7% au deuxième trimestre de 2022.
Eskom traite ses consommateurs comme s'ils étaient ses ennemis. On a l'impression qu'Eskom crie aux gens, vous consommez trop d'électricité, vous êtes dans l'erreur. Eskom devrait à nouveau rétablir sa crédibilité dans la société civile auprès du grand public, afin que la société civile et le grand public puissent soutenir Eskom dans son engagement avec le gouvernement afin de surmonter les limitations dans la fourniture d'électricité que le gouvernement a imposé à Eskom. Les pannes affectent également d'autres services publics comme l'approvisionnement en eau dans certaines régions. La tension monte en Iran après 6 jours de manifestations contre la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs ce jeudi. Au moins 31 civils ont été tués selon une ONG basée à Oslo. Mais officiellement, les médias d'État évoquent 17 morts parmi les manifestants et les policiers. Pour sanctionner, le gouvernement coupe Internet dans le pays. Près d'une semaine après la mort de Mahsa Amini, arrêtée pour un voile mal ajusté, la colère continue de s'exprimer en Iran. Des manifestations d'ampleur ont lieu dans plusieurs villes à travers le pays depuis maintenant 6 jours. Et le bilan des affrontements avec les forces de l'ordre ne cesse de s'alourdir. Ce jeudi, un média d'État a évoqué 17 morts, dont des manifestants et des policiers, mais sans donner plus de détails. Une ONG iranienne basée à Oslo évoque elle au moins 31 civils tués. Les gardiens de la révolution dénoncent une guerre médiatique à outrance et une conspiration vouée à l'échec. En outre, les autorités ont coupé l'accès à Instagram et WhatsApp, les applications les plus utilisées en Iran, alors que l'accès à Internet est largement filtré ou restreint par le pouvoir. Ces protestations sont parmi les plus importantes en Iran depuis celles de novembre 2019, déclenchées par la hausse des prix de l'essence en pleine crise économique. Guerre en Ukraine, de prochaines sanctions en vue contre la Russie. L'Union européenne a déclaré qu'elle ne reconnaîtrait pas donc les résultats des référendums d'annexion et qu'elle préparait donc de nouvelles sanctions potentielles contre la Russie si Moscou organisait ses scrutins dans les régions orientales occupées par l'Ukraine. Face aux récentes déclarations de Vladimir Poutine et de son soutien au référendum d'annexion dans les régions séparatistes du Donbass, les ministres de l'Union européenne se sont réunis d'urgence à New York pour discuter de l'adoption d'un nouveau paquet de sanctions. Des mesures restrictives supplémentaires contre la Russie seront présentées dès que possible après la coordination avec nos partenaires. Et je veux souligner un élément important. Conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international, l'Ukraine exerce son droit légitime de se défendre contre l'agression russe, de reprendre le contrôle total de son territoire, et elle a le droit de libérer les territoires occupés à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Et pour cela, nous continuerons à soutenir les efforts de l'Ukraine avec la fourniture d'équipements militaires aussi longtemps qu'il le faudra. Parmi les mesures discutées, la sanction de responsables locaux, mais aussi d'autres gels de financement dans les régions annexées. Un vote unanime des États membres sera cependant nécessaire. Et terminé pour cette édition sur Speedline Télévision, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur Facebook, également sur YouTube et sans oublier sur le www.speedlinetv.com en replay. Portez-vous bien et que Dieu nous garde.